Bonjour, bonjour. Je vous fais coucou, mais j'ai un bestiole pas terrible là qui vient d'entrer. Un insecte qui pique. Je ne sais pas si c'est une guêpe ou un frelon. Bon, ben, je vais le guetter. Bonsoir à toutes. Ça m'ennuie un petit peu qu'il soit resté là. Bon. J'aime pas ça, les bêtes qui piquent comme ça, qui sont près de moi. Bon, bah écoutez, on va y aller avec. Ah, il faut peut-être que je coupe la wifi parce que ça doit pas être trop net. Est-ce que vous me voyez? Enfin non, vous me voyez pas. Est-ce que le plan de travail est net? Et est-ce que vous m'entendez bien, surtout? Je crois que j'ai pas coupé. Voilà. Bon, eh bien, allons-y. Je vais peut-être faire des pauses pour observer la petite bête qui est dans la vitre devant moi. Mais voilà. Alors, coucou tout le monde. Je vois que vous arrivez, que vous... Voilà, très bien. Bon, bah, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on réalise une petite carte culbuto. Alors, je l'ai appelée comme ça. Je ne sais même pas si c'est français, culbuto, en fait. Je l'ai appelée comme ça parce qu'elle me faisait penser... quand j'étais enfant, j'avais un jouet, en fait, ben, culbuto, quoi. Et du coup, cette carte m'y fait penser. Alors là, du coup, vous avez... c'est pour ça que je vous ai mis la petite vidéo, puisque là, vous ne pouvez pas voir depuis mon plan de travail. Et si je vous l'incline comme ça... Alors, l'effet recherché était de faire naviguer la carte et de faire naviguer en même temps le petit lapin. Sauf que moi, j'ai décidé d'utiliser des petites rondelles plutôt que des pièces. Et je pense que le poids, c'est un peu comme la carte pirouette, comme j'avais fait là, cette carte où le petit objet central tourne sur lui-même. Bon, très bien. Corinne, merci. Et du coup, quand on utilise des petites rondelles pour économiser des pièces d'un centime, on se retrouve, je pense, à ne pas avoir le poids suffisant pour être sur un équilibre qui va faire tourbillonner. Et là, je crois que c'est pareil, en fait, puisque le mouvement de mon petit lapin se fait bien lorsque j'y vais avec mon doigt. Par contre, quand je suis comme ça... En bascule sur le plan de travail, eh bien le petit lapin ne bouge pas. Bon, c'est pas gênant en soi, puisque je trouve que voilà, c'est assez sympa tout de même. Donc là, l'intérêt, c'était de faire alors une carte, ou plutôt un marque-place pour les tables de Pâques, enfin les tables de Pâques ou de fête, ou les tables tout court, puisque après chacun y trouvera la fête qu'il aura envie. Je l'ai fait en tout petit format. Alors, bah, tout d'abord parce que je voulais absolument utiliser ce petit lapin. Alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble que ce set de tampons n'est plus au catalogue, mais peu importe. Hein. Je pourrais pas vous le vendre s'il est plus au catalogue, mais l'intérêt est pas forcément de vous vendre le set de tampons avec lequel je travaille aujourd'hui. Il est plutôt de vous faire partager cette petite idée de carte. Alors, là, moi, mon cercle, il a un diamètre de 7,5. Du coup, c'est vraiment un petit format. Donc, c'est parfait pour mettre sur le coin de la table. Et alors là, moi, j'ai juste mis le message de bonjour. Mais si vous voulez en faire un marque-place, vous allez sur votre étiquette, ben, écrire le prénom du convive. Et voilà, on aura un joli petit marque-place pour une table toute douce. Après, dans le principe, ce sera exactement la même chose si vous utilisez un cercle de diamètre plus grand. Vous aurez donc une carte qui sera plus grande et là, vous pourrez l'envoyer en tant que carte en écrivant au dos ici votre message. Alors, vous pourrez le renforcer hein, si c'est pour plutôt faire une carte. Vous pourrez mettre un double matage. Mais sinon, dans l'idée, c'est la même. Donc, suivant la grandeur du cercle que vous allez utiliser, vous allez pouvoir faire ou un marque-place ou plutôt une carte. Voilà. Donc, moi, là, j'ai utilisé un cercle de couleur verte. Je suis venue... Alors, vos deux cercles doivent être concentriques, hein, de manière à faire une petite bordure. Et puis, bah, derrière, j'ai utilisé un ovale. Alors, si vous n'avez pas d'ovale, vous pouvez utiliser un rond, hein. Vous réutilisez une deuxième fois le même rond. Là, je trouvais que l'ovale se prêtait bien, puisqu'en fait, ce petit lapin, comme il est tout en hauteur, ça lui faisait un joli arrière-plan. Et puis, j'ai mis quelques petits branchages dans du papier vélin. Donc, pareil, si vous n'avez pas de papier vélin, vous utilisez du papier calque, ou vous pouvez même utiliser des petits branchages qui auront été découpés.
Là, j'ai passé dans mon classeur d'embossage mon cercle du bas. Alors, le cercle, le deuxième cercle ici sera coupé en deux puisque on n'a besoin que d'une moitié de cercle. Donc, suivant, par contre, si vous utilisez une deuxième fois le cercle derrière, ben, si vous le mettez suffisamment haut, vous pourrez recoller en fait. J'aurais presque même pu le recoller. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de ma chute de cercle ? Que j'avais après, c'est pour la propreté à l'arrière de la carte, ça peut être bien. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est, mais il est pas très loin. Donc voilà. Alors, je vous vois tout arriver. Je ne vois pas de commentaires écrits, mais bon, je pense que c'est parce que vous avez tout compris ce que je vous ai expliqué. Donc, si vous voulez réaliser en même temps que moi, ben c'est parti. On va se munir donc de notre papier uni. Alors, j'avais sorti, mais bon, je vais refaire avec mon petit lapin. Mais pour vous donner des petites idées, j'avais ressorti mes sets de tampons. Donc, celui-ci, par exemple, ce petit oiseau-là, je pense, trouvera bien sa place. Ou même carrément un branchage, là, comme ça, sur ce genre de petite carte. Tous ces petits personnages. Parce que, bon, là, j'aime beaucoup ce lapin. Et c'est vrai que pour faire ce genre de petite carte, il faut un... comment dire, une attraction centrale, donc un petit personnage comme ça, c'est parfait, un personnage, un animal. Bonsoir Marie-Dominique. Et du coup, ces petites silhouettes là, ces petits animaux pourront aussi très bien faire l'affaire sur ce genre de carte. Les poules aussi, hein, en plus pour Pâques, bah voilà, cette circonstance. Mais c'est vrai que toutes ces poules, donc une table avec... moi j'ai choisi de faire du tendre et parce que je trouve que ce petit lapin est tellement doux. Il a un regard d'une douceur à toute épreuve. Ses petites pattes qui se glissent sous son menton, enfin voilà, j'adore. Bref, vous l'avez compris. Mais voilà, je pense que vous pouvez trouver plein d'idées de petites silhouettes. Et puis après, alors dommage, effectivement, Sylvie, qu'il ne soit plus en vente. Après, je pense qu'on peut le trouver d'occasion, puisqu'il y a des démos qui s'en sont sûrement séparés, ou d'autres scrappeuses qui l'ont déjà beaucoup utilisé, puis qui n'en ont peut-être plus forcément envie. Enfin, voilà. Mais vous pouvez également, bonsoir Monique, utiliser un die-cut. Hein, vous avez peut-être dans vos paquets de scrap des die-cuts qui pourraient tout à fait faire l'affaire. Donc, moi, je n'avais pas de die, je les découpe à la main. Mais voilà. Alors, c'est parti. Donc, un premier cercle. Donc, moi, le mien, je vous ai dit qu'il mesurait de diamètre 7,5. Donc, je vais le recouper dans le papier vert comme le premier que j'ai fait. Comme ça, bah, j'aurai déjà deux marque-place pour ma table de Pâques. Hop. Et voilà, ça commence. je pense pas que je me séparerai du mien tout de suite, Sylvie. je ne pense pas. Je pense que je le garde. Je pense qu'il fera partie des choses. Alors déjà, j'ai du mal à me séparer. Pourtant, tous les ans, je le dis. Hein, tous les ans, quand arrive le nouveau catalogue, comme là, on est en période où on voit toutes les nouveautés, on a encore envie d'acheter toutes les nouveautés. Et à chaque fois, je me dis, bon, allez, ça y est, je vide mon placard, c'est décidé, je vends des sets de tampons, je ne les utilise plus ou très rarement. Et bien, du coup, j'arrive pas à les vendre. Parce que je les aime encore, je les sors, je les regarde, et puis je me dis, ah bah oui, mais ça, pour faire telle carte, ou ça, pour faire autre. Et voilà, donc du coup, bah, je garde encore tout. J'ai un gros défaut, c'est de ne pas réussir à me séparer des choses que j'aime. Mais bon. donc là, on va découper dans un deuxième... cercle, donc dans un deuxième papier blanc, un deuxième cercle qui lui est un tout petit peu plus petit. Donc moi j'ai utilisé mes cercles format coudre là parce que c'est pour moi c'est des basiques. Donc le premier mesure 7,5 de diamètre. Comment s'appelle le set? Il s'appelle Fable Friends, voilà, avec mon bel accent anglais. Voilà. Donc, alors le canard avec les petits canetons, là, il est très sympa aussi. Et puis ce petit écureuil aussi, on peut faire de jolies cartes d'automne, enfin d'automne ou de printemps, peu importe, ou même d'été, parce qu'il a un petit canotier avec, avec son petit foulard. On pourrait totalement le déguiser en marin. Enfin voilà, je pense qu'on peut faire plein de choses avec. Mais voilà, il est tout adorable. Alors, le deuxième cercle, celui-ci. Lui, il ne mesure que 6 de diamètre. Donc, il va être un tout petit peu plus petit. Donc, on va le découper. Et puis, celui-ci, on va l'embosser. Alors, moi, je l'ai embossé, mais vous auriez pu choisir... Vous pouvez choisir un papier... un papier design, par exemple, hein, pour que...
pour aller sur votre papier uni. Après, voilà, moi j'ai voulu l'embosser parce que j'aime beaucoup ce classeur qui est composé que de tout. Enfin, je pense que vous le voyez bien. C'est un semi, bah, il est là, tiens, justement. Un semi de petites fleurs. Donc, je trouve que ça rappelait la douceur. Enfin, voilà, j'ai essayé d'aller dans la coordination des éléments. Alors, là, c'est un classeur en 3D. Que j'utilise. Du coup, je vais utiliser. Donc, je vais mettre mon cercle entièrement dedans. Donc, je fais attention. Le dessus de l'embossage, c'est toujours celui où il y a l'écriture. Donc, quand ce sont des classeurs d'embossage qui étaient de l'ancienne version avec 6X, et ben voilà, c'était inscrit. Le dessus était inscrit. Et puis, ben ici, on a le logo Stampin' Up. Donc voilà. Et du coup, j'utilise ma machine de découpe, la plaque qui permet d'embosser les classeurs qui sont en 3D. Voilà. Donc pour être sûr que ça passe vraiment bien sans abîmer quoi que ce soit. Donc là, je vais venir récupérer mon cercle embossé et je vais venir le séparer en deux. Celui-ci, je vais venir le plier en deux. Donc je vais repérer le centre. Alors, comme il mesure 7 cm, donc j'ai dit 7 cm et demi, donc on va avoir le milieu à 3,75. Donc moi là je me repère à ma table, mon marquage de ma plaque de verre en fait, et je vais venir passer faire un trait avec ma bille à gaufrer, donc juste sur le centre pour casser en fait, pour pré-casser le papier. Voilà. Donc, je vais passer mon plioir dessus. Et ensuite, je vais repérer, donc, avec... Donc, je vais repérer le milieu. Parce que je vais venir faire une petite fente pour laisser glisser une petite tige de papier sur laquelle viendra se coller mon petit lapin. Donc là, je vais repérer mon centre, donc qui est à 3,75. Alors après, vous allez repérer votre centre en fonction du diamètre du cercle que vous avez choisi. Donc repérez le centre et puis positionnez votre centre sur le demi-centimètre et venez faire une petite marque d'un demi-centimètre de chaque côté. Vous aurez ainsi une marque qui mesurera un centimètre parfaitement centré. Donc là, vous allez venir ouvrir, donc on va prendre sa paire de ciseaux. On va commencer juste au début de notre premier trait d'un centimètre. Et puis on va venir enlever juste ce petit bourrelet en fait de pliure qui va nous faire l'ouverture pour venir glisser notre petite bande de papier. Donc ça, c'est fait. Donc vous me dites hein, si je vais trop vite dans l'explication de ce que je fais ou si vous voulez que je reprenne une étape. Donc, vous me dites. Donc là, mon deuxième cercle, lui, mesure alors 6 cm. Donc lui, alors un tout petit peu plus de 6, mais là, voilà, je le répartis sur ma plaque de verre. Et lui, je vais venir le couper donc carrément dans son centre pour pouvoir poser le demi-cercle sur mon petit cercle qui fait culbuto. Alors, j'ai dû faire deux petits traits, puis ça y est, je les vois plus. Zoup, zoup, zoup. Alors, eh bien, je crois que je... Ah, si, ils sont ici. Donc là, je vais prendre mon massicot, je vais aligner mes deux petits traits et je vais couper. Voilà. Ensuite, j'ai coloré légèrement avec l'encre. Alors ici, mon papier, ça doit être riche raisin. Donc j'ai pris mon encre riche raisin. J'ai pris... Alors, vous n'êtes pas bavarde hein, ce soir. Je ne vois pas beaucoup de commentaires remonter. Donc je prends légèrement de l'encre et je vais venir avec ma brosse ancrer mais délicatement hein, parce que je veux pas que ce soit trop marqué hein. D'ailleurs vous avez dû voir sur mon petit mon premier bout là d'ailleurs qui est encore perdu, j'avais un peu trop ancré, c'est pour ça que j'ai utilisé le deuxième. Je voulais vraiment que ça reste très délicat, que l'on voit que c'est un papier blanc que j'ai légèrement ancré. Donc je passe ma brosse, alors vous pouvez passer également votre doigt éponge hein, peu importe.
pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mon mécanisme, c'est-à-dire deux petites bandes de papier sur les, entre lesquelles je vais venir donc coller. Si vous n'avez pas de rondelles comme ça en métal. D'accord, Sylvie, vous êtes en admiration. Bah, c'est parfait. Hypnotisée en quelque sorte, quoi. Donc, j'ai utilisé, moi, des petites rondelles. Si vous n'avez pas des rondelles, bah, vous mettez deux pièces de 1 centime. Voilà, votre carte aura déjà une valeur monétaire de 2 centimes. Et puis ensuite, voilà, elle aura toute la valeur que vous aurez bien voulu mettre votre cœur dedans pour lui donner. Alors, moi, j'ai utilisé... Merci Geneviève. C'est tout mignon. C'est vrai que ce petit lapin, moi, il est d'une tendresse. Tout est propre. Donc, moi, j'ai utilisé ma perforatrice petite étiquette comme ça. Parce que bah, du coup, on n'a pas besoin de mesurer. Si vous n'avez pas de perforatrice, ne hein, vous inquiétez pas. Vous allez réussir à faire le mécanisme tout de même. Puisque ce mécanisme, c'est deux petites bandes. Alors, à peu près, hein, là, j'ai utilisé dans mes chutes. Donc, si vous n'avez pas la perforatrice, mais même si vous l'avez, vous allez faire deux bandes de 5 cm. Donc, sur tout juste 1 cm. Hein. Enfin, là, elle fait 9 mm. Donc, à peine 1 cm. L'intérêt, l'important, c'est... Enfin, il faut que vos bandes de papier rentrent dans la fente que vous avez faite. Donc, si là, votre bande de papier, donc, qui mesure 9 mm... Ouais, elle mesure 9 mm. Si elle est trop grande... si elle est trop large, bah vous venez redécouper légèrement. Hein, vous venez recouper un tout petit peu l'entrée de votre ouverture. Et puis comme ça, elle glissera parfaitement. De toute façon, elle a pas besoin, il n'y a pas de mouvement de haut et bas qui se fait. Il y a seulement donc l'entrée et la bascule. Donc voilà, le principal, c'est que votre étiquette puisse entrer. Alors ensuite, ben c'est là où on va venir coller nos petites rondelles ou nos pièces. Donc là, je vais mettre un petit peu de double face, puisque comme c'est une surface métallique, et pareil pour les pièces, hein, pour les superposer l'une avec l'autre, je colle moi un petit peu de double face. Et par contre, quand je vais coller ma bande de papier, je vais venir mettre entièrement de la colle. Et sur mon prototype, ça tient, sans souci. Donc là, je vais mettre un petit morceau de double face. Hop, je vais venir superposer donc une deuxième rondelle. Il faut que ça fasse... pas besoin que ce soit... lourd, je dirais, mais il faut que quand même qu'on sente un petit poids. Donc là, je vais en mettre 3. J'ai dû en mettre 3 aussi sur l'autre projet. Bonsoir, alors Intermède Créatif, rappelle-moi ton prénom, puisque désolée, je n'ai pas dû retenir. Peut-être je te l'ai déjà demandé. Alors, là, je vais... Hop. Alors, parfois avoir des ongles, ça n'a pas que du bon. Bon, je crois que j'ai hypnotisé aussi le frelon, hein, parce que il est resté sur la vitre. Merci Christelle. Alors voilà, donc là j'ai superposé donc 3 petites rondelles. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite bande, donc de 5 cm de long. 5 cm de long à peu près, hein. Alors si vous collez une petite silhouette qui sera moins haute, vous ajustez, merci Anne-Marie, vous ajustez la longueur de la petite bande de papier là, hein. Celle-ci, elle est juste pour tenir les pièces et puis pour également maintenir le petit lapin. Donc là, je vais venir mettre donc de la colle. Alors sur mon prototype, ça avait marché avec simplement de la colle. J'espère que là, ça va être le cas aussi. Donc on va laisser prendre le temps qu'on va s'occuper de décorer notre petit lapin. Alors je vais ensuite... Ah bah si j'aurais pu découper... J'aurais pu découper mon ovale.
Alors, j'ai plus de papier. Donc là, je vais venir découper l'ovale qui va aller derrière. Si vous n'avez pas d'ovale, vous découpez un rond. Hein. Donc là, j'ai pris le plus grand des formes, le plus grand d'ail des formes ovales. Hop, donc je n'ai plus besoin de ma plaque d'embossage. Alors, donc ici, mon die ovale. Alors, j'essaie de le caser dans un coin. Voilà. Et puis, je vais récupérer. Alors là encore, on viendra mettre un petit peu de couleur de fond. Je vais ensuite tamponner ma petite silhouette de lapin. Donc comme je travaille avec de la... Je vais faire ma colorisation au feutre à alcool. Donc je vais tamponner avec de la Memento. D'accord, très bien, Morgane. C'est ça. Tu referas mercredi sans problème. Tranquillement, alors comme je l'expliquais, hein, avec n'importe quel set de tampons, dès lors où on a une jolie silhouette, une jolie forme à coloriser. Voilà, donc mon petit lapin est tamponné avec de la Memento. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, je vais venir coloriser. Quand je colorise avec les feutres à alcool, je ne reste pas directement sur ma plaque de verre, je mets toujours un autre papier en dessous, de manière à ce que l'alcool, quand l'alcool va traverser mon papier, puisque notre papier murmure blanc permet la colorisation sans problème avec les feutres à alcool, sauf que c'est pas un papier 100% destiné aux feutres à alcool, et l'alcool va transpercer en fait notre papier. C'est pas gênant en soi, sauf que si le papier se retrouve transpercé et arrive sur une surface lisse, l'encre va vouloir remonter et du coup elle peut remonter de l'autre côté de votre tamponnage. Donc ce serait vraiment dommage de gâcher votre colorisation. C'est pour ça qu'en mettant une feuille ou un brouillon, enfin peu importe, votre encre va venir être absorbée en deuxième fois juste sur ça. Donc ça ne risquera pas de remonter. Alors, j'avais préparé, donc je vais continuer à les coloriser de la même couleur. Hein. J'ai pris Corail Calypso pour le vêtement. J'ai pris Brume d'une parce que souvent de fois, les pelages des animaux, j'utilise le brume d'une claire et le brume d'une foncée. Et là, avec les oreilles et le corps, alors j'ai utilisé moi, mais c'est plus un coloris qui est au catalogue, c'est Petite Pirouette Claire. Mais Petite Pirouette Claire, c'est un mix entre fleurs de cerisier et pétales roses, en fait. Donc voilà, vous pourrez trouver tout à fait... Oui, elle se tient debout, Christelle, regarde. Alors, je t'invite à regarder, j'ai fait ce midi une mini vidéo que j'ai postée, en fait, pour bien voir de face. Là, du coup, c'est pas très facile de voir qu'elle... On voit bien qu'elle est en mouvement, mais on ne peut pas la voir de face. Donc là, bah, je vais coloriser tout simplement, hein. Donc, je prends mon feutre clair, j'apporte de la couleur donc, sur pratiquement tout le visage du petit lapin. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon feutre foncé et là, je vais venir apporter que sur certaines parties, donc le contour du visage par exemple. Et puis les entrées d'oreilles. Et puis je vais revenir un petit peu sur le devant du visage. Et ensuite je reprends ma couleur claire. Et là je vais venir diluer mon clair et mon foncé. Enfin diluer, oui, je ne sais pas si on peut dire diluer en matière de feutre à alcool. Mais en fait je vais venir réactiver ma couleur foncée de feutre à alcool en passant ma couleur claire. Ce qui fait que les deux vont se fondre ensemble. Voilà. Bon là, c'est foncé puisqu'on voit, plus, l'encre n'est pas encore séchée mais, et encore humide, mais voilà. Et puis ben là, je vais prendre un petit peu, alors je ne sais pas si on verra à la caméra, mais un petit peu de rosé pour rééclaircir
le centre de son visage. Là, je vais venir mettre du rosé dans le creux de ses oreilles. Je vais ensuite mettre un petit peu de rosé plus foncé sur les pointes. Et là, bah, même technique. Donc moi, enfin, je procède dans ce sens-là. Hein. Je sais que j'ai vu des filles qui colorisent, donc suivant les couleurs qu'elles veulent donner, dans l'autre sens. Le foncé, le clair, le foncé. Moi, je fais le clair, le foncé, le clair. Après, voilà. Bon, là, alors, il faut, quand on colorise comme ça, il faut essayer de donner un effet en imaginant, je sais pas si, l'implantation des poils de l'animal. Eh bien, je t'en prie, Christelle. Donc, du coup, là, je vais donner comme des coups de pinceau, en fait, plutôt vers le centre, de manière à avoir le sous-ventre qui, lui, sera en rosé, comme ça. Voilà. De manière à ce qu'il y ait, pas de démarcation franche entre, les deux couleurs. Ouf, c'est pas celui-ci que je voulais prendre, c'était celui-ci. Voilà, donc là, j'ai le tour du corps. Et puis, je vais mettre un petit peu de foncé. Donc, juste pour donner un peu de relief, en fait. Alors, souvent de fois, sur nos tampons, on a déjà des marques de relief. Comme là, on a des petits... des petits traits noirs qui nous rappellent le pelage. Du coup, ça nous aide à former des contrastes. Alors après, on peut aussi se référer aux entrées de lumière. Donc, quand on fait une colorisation comme ça, on part du principe que la lumière, elle peut arriver vers la droite, vers la gauche. Et après, ben, on fait ses ombres en fonction. Hein. On fait ses ombres en fonction. Donc, voilà pour le corps. Ces petites pattes, hop, elles aussi... un peu de couleur, donc là, hein, un petit peu ici, pas forcément besoin, donc là, hop, juste à l'arrivée du menton, et puis ben, son vêtement, donc lui, je le colorise comme le premier, en corail calypso, donc c'est un rose orangé, bon, je surveille, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, mon frelon qui vole parfois. Et il a son copain qui est de l'autre côté, donc j'ai bien l'impression qu'on va avoir un nid tout proche. Oui, hein, il est choupinou ce petit lapin, comme je l'appelle. Donc là, le contraste est très grand entre le clair et le foncé, hein, du corail calypso. Donc... il faudra insister, alors pas insister en puissance, hein, mais insister en dépôt d'alcool de vos feutres. En fait, il faudra, j'appuie pas, hein, pratiquement pas, mais par contre, je passe plusieurs fois au même endroit de manière à ce que mon encre claire vienne diluer, enfin vienne réactiver en fait l'encre foncée. Donc pour faire pour que la colorisation se fonde. Donc, c'est pas la puissance qu'on va apporter dans la mine, mais c'est le temps qu'on va passer à passer... Enfin, oui, le temps qu'on va passer dessus. Alors, la bestiole est au-dessus de ma tête. Non, c'est bon, elle est repartie. Voilà. Et donc, on arrive à fondre les couleurs en insistant... voilà, sur les passages. Bon, ben, mon petit lapin me plaît bien. Je vais venir maintenant le découper. Alors là, simplement, on prend sa paire de ciseaux. Hein. J'ai pas de die pour ce petit lapin. Mais bon, il a des contours quand même assez faciles. Donc, je laisse un petit bord blanc. Parce que comme ses contours sont comme des petits traits de pinceau. Enfin, des petits traits de crayon. Et puis qu'il y a ses moustaches, je peux pas couper au plus proche. Du coup, ah ben là vous allez plus rien voir, peut-être bien. Désolée, je me positionne de la manière où c'est le plus facile pour découper mon petit lapin. Mmh.
Du coup, je lui laisse voilà une petite bordure blanche. Ça, ça me permet de lui laisser ses petites moustaches. Alors, hop. Alors, je guette la bête. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Et il est juste au-dessus de moi. Donc, j'ai pas envie de me faire piquer. Quand le son se rapproche de trop, je prends un peu peur. Alors. Alors, la couleur disparaît. Oui, tout à fait. Donc Sylvie, en fait, c'est pas qu'elle disparaît vraiment, c'est que les deux couleurs vont venir s'affadir, en fait, pas s'affadir, mais se mixer entre elles, du fait qu'elles sont à l'alcool. Et du coup, le mélange des deux va venir faire un dégradé. Voilà. Je ne sais pas si... oui. Je ne sais pas si je vous l'exprime comme je le sens, comme je le vois. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Alors après, vous pouvez aller regarder des vidéos. Il y a des filles qui font de superbes colorisations feutre à alcool. Hein. Il y a vraiment de belles choses. Alors quand j'ai découpé comme ça, moi, avec ma paire de ciseaux, je reprends toujours mon plioir en os. Et je donne, alors pour pas forcément pour faire une forme à mon lapin, mais plutôt pour... Oh, mais c'est gentil ça. Mais plutôt pour... J'ai mon mari qui arrive avec un bouquet de jonquilles. Donc, mais plutôt pour... comment dire, pas arrondir, mais pour enlever le côté brut de la découpe avec les ciseaux. Alors, elle veut dire du catalogue. Elle disparaît. Ah, pardon, elle disparaît cette couleur du catalogue. Non, pas la couleur Corail Calypso. La couleur Corail Calypso et Brume Dune. Ces deux couleurs-ci restent au catalogue. La couleur Petite Pirouette, elle, par contre, n'y est plus, mais déjà depuis quelques temps. Mais comme je vous l'indiquais, Fleur de Cerisier la remplace. Hein. Enfin, la remplace. S'en rapproche, c'est plutôt le terme que la remplace. Mais voilà. Donc oui, pour enlever ce côté brut de la découpe avec les ciseaux. Bonsoir Daniel. J'utilise mon plioir en os et en fait je viens reformer comme un petit bombé sur les côtés de mon papier. Donc comme par exemple quand on vient couper avec un die, en fait le die nous arrondit les bords. Et là, ben, en l'occurrence, j'essaie de faire la même chose. Ensuite, je lui ai mis une petite fleur. Donc ma petite fleur, elle est issue de mon set de tampons et de ma perforatrice parfum de fraise. Alors là par contre, je suis vraiment déçue parce que j'ai cru voir, j'aimais beaucoup ces deux petites fleurs et je trouve qu'elles se combinaient vraiment bien. On a la petite perforatrice. Alors j'ai pas vérifié, j'ai pas revérifié, mais il me semble bien que la petite perforatrice là, elle disparaît du catalogue. Et la perfo qui était toute seule, elle découpe parfaitement cette grandeur de fleur là. Et la petite fleur, elle est découpée par la perforatrice qui est assortie au set de tampons parfum de fraise. Et je trouve ça dommage qu'il supprime. Mais bon, voilà. on aura sûrement, enfin non, c'est, je sais, on a. Mais voilà, il y aura de très beaux sets qui vont remplacer. Mais et bon, voilà, moi j'aimais beaucoup cette petite fleur. Donc c'est une fleur en deux tamponnage, mais ils vont être tamponnés avec la même couleur. Bonsoir Laetitia. Je vais donc commencer par tamponner ma couleur avec le tampon qui est le plus rempli. Donc là, voilà. Donc je vais avoir un dégradé en fait. Je vais avoir une différence de nuance. Et ensuite, je vais venir tamponner dessus mes contours. Et donc en séchant, on aura un dégradé de couleur qui sera fait juste avec deux tampons et une couleur d'encre. Donc là, ben, je vais passer ma petite fleur dans la perfo.
Donc là, je la passe juste dans le coin de ma perforatrice. Alors, si j'avais voulu tout découper, hein, j'aurais pu tout tamponner. Mais là, j'ai juste besoin de ma petite fleur. Voilà. Je vais lui donner du relief avec, si je le retrouve, vous connaissez bien, je suis toujours en train de chercher. Je vais donner du relief à ma fleur en appuyant juste avec le dos de mon outil touche-à-tout dans le creux. Et comme ça, ma fleur, elle aura un petit peu de relief. Je vais venir tout de suite lui mettre une petite perle. Hop, comme ça, ça sera fait. Juste une petite perle nacrée. Ah, j'ai un bout de colle. D'où vient-elle, cette colle? Voilà. Je vais ensuite donner un petit peu de couleur. Donc, sur le fond, pareil avec mes brosses estompes. Alors, mes brosses estompes qui sont pour le moment indisponibles, mais qui, je le pense, vont venir très vite. Hein, parce que moi, je m'en passe toutes ces petites brosses. Donc, pareil, je mets un petit peu... Et je y vais très doucement sur le fond, juste pour donner en arrière-plan un petit peu de couleur. Et puis, pour ma décoration, je vais venir découper. Alors, cette perforatrice-là, par contre, j'ai pas regardé si elle restait au catalogue ou pas, mais je la mets bien aussi. Donc, je l'utilise toujours. Donc, des petits branchages avec... mon papier vélin. Alors ça, le papier vélin, je crois que quand on a découvert ses multiples utilisations, ben, on s'en passe plus parce qu'elle nous fait de jolis finis tout en légèreté. On peut apporter vraiment des décorations très sympas avec ce papier et puis sans alourdir, parce que c'est vrai que des fois quand on met trop de décorations, ben, on se retrouve à alourdir vraiment trop notre projet, alors que là, pas du tout en fait. Le papier vélin, ça nous permet de faire de jolies décos qui seront toutes légères. Alors, et bien là, je vais reprendre mon mécanisme, je vais le recouper plus droit et puis ben, je vais pouvoir commencer à monter ma carte. Alors, si je retrouve, ça peut être bien, mon autre morceau que j'ai colorisé. Alors, hop, hop, hop. Et ben voilà, forcément, je l'ai perdu. Aïe, 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 aïe. C'est pas drôle, hein, toujours perdre ce qu'on cherche. Bon, ben je vais m'en refaire à nouveau. Hein. Peut-être que vous le voyez en plus, hein. C'est ça ce qui est terrible. C'est que très souvent, c'est pas loin de mes yeux ce que j'ai perdu. Et voilà. Bon, ben je refais. Je refais. Donc, je reprends. Bah, du coup, celles qui n'étaient pas là vont pouvoir voir comment j'ai colorisé mes petites fleurs. Voilà. Donc, délicatement, j'amène de la couleur avec mes brosses. Hop. Alors, je vais prendre mon grand cercle que j'ai plié par le milieu. Je vais venir coller... Donc, est-ce qu'il y avait des filles qui réalisaient en même temps que moi? Parce que j'ai dû poser la question, mais je n'ai pas vu de réponse. Ou alors, j'ai loupé la réponse, mais voilà. Je vais venir coller ma première déco, donc centrée sur mon demi-cercle. Alors, vous inquiétez pas, là, vous serez plus proche que là, ce qui est normal, puisqu'on a coupé ce cercle-là par le centre. Mais je laisse ma petite bordure, en fait, ici. Donc c'est pour ça. Bonsoir, Claudette. Je vais ensuite glisser... ma petite languette qui est lestée. Je vais venir lui poser des dimensionales. Alors, je vais en mettre deux épaisseurs de dimensionales. Donc, je la mets au plus haut dans l'ouverture. Et puis, je vais venir donc mettre hop, trois dimensionales. Oui, je pense que trois loges, voilà. J'enlève les pellicules. Alors, Monique, oui, tu réalises en même temps. D'accord, très bien. Donc, je ne vais pas trop vite. Hein. Tu arrives à faire en même temps, il faut me dire, hein, sinon. Donc là, je fais un deuxième étage de dimensionnal. En fait, c'est pour que le petit lapin ne se retrouve pas trop proche de l'arrière. Voilà, parce que sinon, il serait vraiment trop proche de l'arrière et il frotterait.
Donc là, en mettant deux épaisseurs. Alors, mes tampons que j'ai utilisé le Fable Friend qui ne doit plus être au catalogue. Mais comme je l'ai dit, hein, il y a plein d'autres tampons, plein d'autres sets de tampons qui pourront totalement être utilisés pour réaliser cette carte et qui vous donneront un beau rendu, notamment les petites poules. Là, hein, je pense que elles seront très très sympas. En plus, elles sont dans la même hauteur. Alors, pas du tout dans le même esprit que ce que je viens de faire avec les lapins, mais dans la même hauteur. Donc là, je vais coller mon lapin sur mes trois dimensionales. Voilà. Donc là, déjà, on a notre petit lapin qui... Alors, je réessayerai avec des pièces, hein, qui pourrait effectivement faire son mouvement de va-et-vient quand la carte bouge, mais qui ne le fait pas. Voilà. Et puis, ben, je vais venir coller derrière... Alors, je vais mettre en forme. Donc, ça, c'est l'idée n'est pas de moi, hein, de tourner les feuilles, là. C'est Sophie de Couleur Papier qui donne toujours du mouvement à toutes ces petites pétales, comme ça. Donc, j'avais pris cette habitude quand j'avais vu réaliser ces feuillages ainsi. Et c'est vrai que souvent de fois, quand on a des feuilles et qu'on n'a pas de tampon en identique, ben, c'est le moyen de donner... un petit peu de relief. Donc on prend une pince, alors moi c'est une pince de loisir créatif, mais si vous n'en avez pas, ouais non, pas la pince à épiler, parce que la pince à épiler, mais bon, voilà, on pince et puis on tourne en maintenant son papier, donc ça ne le déchire pas et ça permet de faire un joli mouvement. Donc là je vais venir coller mon ovale à l'arrière et je viendrai coller derrière mon petit lapin mes feuillages, mais je vais d'abord mettre de la colle sur l'ovale. Alors j'en mets que sur la partie basse, hein, puisque là je vais le centrer, hop, ici. Voilà, donc là normalement l'ovale, lui, il va en fait pratiquement être en alignement avec le demi-cercle qui est collé sur le devant. Et puis ben, je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière, hop, de mes petites décos en papier velin. Voilà. Bon, c'était simplement pour faire un petit arrière-plan tout léger, hein, à mon petit lapin. Donc là, je prends mon plioir pour l'appliquer. Je vais venir coller ma petite fleur juste à côté. Hop. Alors, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle. Je vais mettre mon message. Alors, j'ai utilisé le message bonjour qui lui vient du set. Ben, je ne sais plus. Qui vient de ce set-là. Émotion effeuillée. Et. Oui. Si je le retrouve, voilà, ça y est. Il est là. Donc lui, je l'ai tamponné eh bien, en noir. Puisque, comme je le dis tout le temps, hein, j'aime bien que les messages, les sentiments soient de couleur noire. Et comme là, on a les contours de notre petit lapin qui est noir, c'est parfait. Donc là, je vais venir, hop, le tamponner ici. Je vais reprendre ma perforatrice étiquette. Et j'ai besoin du côté bannière sur la droite. Hop. Je ne sais pas pourquoi je dis hop, tiens, c'est peut-être pas une nouvelle manie quand même qui va m'être arrivée. Je vais le glisser sous... ouais, j'aurais peut-être pu la couper un peu plus courte puisque là, c'est un petit peu... Hop, hop, hop. Donc, quand vous pouvez réajuster vos étiquettes, hein, avec cette perfo et vous pouvez choisir même
de la, voilà, de la faire à la longueur que vous souhaitez, en reglissant simplement. Voilà. Et donc là, je vais reprendre un peu de colle que j'avais laissé au dos de ma fleur. Je colle ma fleur ici. Je colle mon étiquette juste en dessous, mon lapin. Alors, la petite étiquette du sentiment, hein, vous pourrez choisir de mettre le prénom de l'invité qui rejoindra votre table. Voilà. Et notre petite carte, elle aussi, Culbuto, est terminée. Voilà. Donc, si vous faites cette carte en format plus grand, bah, vous pourrez tout à fait l'envoyer dans une enveloppe, puisque mise à plat, bon, alors vous ferez attention, par contre, avec les, avec le poids que vous allez lui donner, bah, elle pourra peser un peu plus à la poste, mais elle s'enverra totalement dans une enveloppe. Et puis, bah, si vous faites en format pour votre table, eh bien, ça sera parfait. Vous pouvez même faire un plus petit format, hein, on peut, voilà, faire varier le format en fonction de la grandeur de nos cercles de base. Eh bien, écoutez, merci à toutes. Magnifique, bravo, merci les filles. Je vais faire une petite colonie de petits lapins. Je pense qu'on ne sera pas très nombreux, guère plus de 5. Donc, il va m'en manquer 3 pour décorer la table de Pâques. Alors, après, vous pouvez jouer sur les couleurs. Hein. Là, j'étais partie sur du vert et du rose. Vous pouvez les alterner. Vous pouvez faire des couleurs très flashy. Vous pouvez faire ce que vous voulez aux couleurs que vous aimez. Et vous faire de jolies tables. Même quand on est 3 ou 4 convives, c'est pas parce qu'on est peu nombreux à table qu'il faut se priver de faire de jolies décorations. Voilà. D'autant plus qu'on peut faire plus de décorations, puisque quand il y a moins d'invités, on a moins de quantité. Du coup, on peut se réserver à en faire bien plus. Eh bien, écoutez, merci, merci à toutes. Alors, une carte avec les tampons coquillages. Alors, les tampons coquillages, oui, ça fait partie. Daniel, je sais que tu les as reçus. Je vais faire une carte avec les tampons coquillages quand je les aurai commandés déjà, parce que pour moi, c'était des tampons qui font partie des prochains, des prochains achats. Mais c'est vrai qu'une carte coquillage, avril-mai, c'est bien, parce que c'est là où on commence à penser à l'été. Donc voilà, mais promis, je ferai une carte coquillage. On en a vu quelques-unes passer, mais pas tant que ça en fait. Donc promis, ça fera partie des prochains projets. Bon là, on m'avait demandé un petit projet autour de Pâques. J'ai beaucoup de copines démo qui avaient fait des boîtes, des paniers, etc. Donc j'ai dit, bon, il faut essayer de trouver une autre idée. Donc voilà, avec ces petits marque-place, je trouve que ça peut faire une idée sympa. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt, à lundi prochain pour un nouveau live. Hein. Bonne fin de journée. Au revoir à toutes. Merci.